Bonjour à tous, c'est Benrasseur85 et on se retrouve pour le second vlog de la chaîne. Faut dire que ça fait plus de 2 mois que j'ai pas donné de nouvelles. En même temps, les nouvelles, ça, c'est vrai que je les donne surtout sur mon Facebook. Faut dire qu'en même temps, je joue pas mal, comme ça le savent, à Robocraft. Faut dire que je faut que je farme encore un peu. Alors vu la date, normalement, on est censé avoir déjà les blocs Halloween, c'est pas encore le cas. Si je regarde normalement dans le shop, on les a toujours pas, donc bon bah tant pis, je vais devoir encore en attendre encore un petit peu. Ou alors pourquoi, tout simplement parce que vous voyez, j'ai que 16 millions, il en faut beaucoup plus, parce que oui, car le prochain objectif, c'est tout simplement, et eh ben, le méga, hein, faut bien... Oui, c'est le prochain objectif donc de la série Microprime sans coopération. Mais pour ça il faut que je farme plus de. Il faut déjà 30 millions rien que pour les blocs. Parce que ça fait, on va dire. Ouais c'est ça. Ouais, enfin bref, je pense que vous aurez compris. Et surtout comme vous pouvez le voir aussi, je pense que je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, vous pouvez voir aussi également que Snorri sera changé. Alors, soit c'est clair qu'il est beaucoup plus. Il est plus tanky déjà. Et surtout un peu plus costaud, enfin bref, il y a pas mal de points qui ont été changés dessus. Bon, j'ai plus mes x2, c'est normal, parce que étant donné que les x2, je les ai fait assez tard hier, comme on était mercredi, j'ai pas mal fait de petites choses, parce que pour la famille, il fallait bien que j'achète... Bah, bref, je vais pas en dire plus sur ma vie privée si on n'est pas là pour ça. Donc enfin bref, pour niveau donc de Robocraft, de toute façon, ça, rien ne change, à part peut-être qu'en ce moment, vous avez peut-être remarqué que je vais surtout beaucoup plus jouer avec notamment le Snow Racer, enfin, le Medic Racer, hein. Donc vous voyez le petit bijou qui est ici, hein, un bijou sur ski d'ailleurs. Je suis le seul à l'utiliser, de toute façon surtout RobocraftGame.fr apparemment. Enfin quoique même pas, parce que la dernière fois j'ai fait une petite partie avec, avec d'autres joueurs, notamment Dara, qui possède un Medic sur ski, mais je crois que c'est un Medic qu'il a fait lui-même, ou au moins qu'il l'ait reproduit en tout cas. Et il était sur ski, donc après, c'est pas un souci non plus. Bon c'est sûr qu'après, c'est vrai que j'ai pas mal de nanotech, en même temps c'est fait exprès, faut bien pouvoir y aller dans toutes les directions, même s'il y en a que 6 de base, je crois qu'il fonctionne en instantané, donc après, mais bon, franchement, ça permet surtout de garder vraiment un pouvoir de heal toujours à fond. Hein, voilà, c'est toujours pratique, faut toujours avoir ça que rien ne va avoir du tout. Hein, c'est clair et net. Après on va passer aux autres nouvelles et sur ce moi je vais vous laisser, je vous dis à tout de suite. On se retrouve sur Minecraft, enfin pourquoi Minecraft, simplement parce que c'est la deuxième série, dans le deuxième jeu auquel je joue le plus, même si c'est vrai qu'en ce moment je joue plus sur Robocraft parce que comme je l'ai dit précédemment je ferme à mort, même si c'est vrai qu'on est, ça serait bien, bon je pense que vous voyez quand même que on voit encore mon Windows derrière, bon c'est un peu normal, c'est Shadowplay qui fait ça car je n'utilise plus Fraps, c'est vrai que Fraps filmerait uniquement l'écran Minecraft, seulement Shadowplay fait que même en full screen ne veut pas filmer le Minecraft, alors je sais pas pourquoi, c'est sans doute un paramètre que j'ai dû oublier je pense, ça peut être une connerie comme ça, mais bon c'est pas grave, de toute façon ça gêne pas pour ce vlog, vous pouvez voir également une... pourquoi je fais ça, par exemple, pour vous montrer, je pense à part ceux qui ne suivent pas mon Facebook, savent que... ceux qui ne savent pas que je suis en train de faire justement une nouvelle map Green 18 qui est beaucoup plus aboutie que celle-là, hein, notamment on va rentrer dedans, vous allez voir. Alors en quoi elle est la plus aboutie, vous allez voir que le sim est beaucoup plus petit et surtout il y a beaucoup plus de VRALC, elle sera vraiment beaucoup plus, il y en aura réellement 18, 18 maximum que peut gérer le système, enfin en vanilla, hein, pas en bucky, parce que en plugin je veux dire, parce que en plugin on peut en rajouter vachement beaucoup plus. Et surtout, bon ça qu'après le système n'est qu'en. On est encore en 1.8, j'aurais pu le faire système en 1.9, ça que j'aurais pu rajouter, notamment pour une VRLC qui aurait pu être sympa. Malheureusement je préfère le faire en 1.8 parce que pour la simple et bonne raison que les objectifs c'est bien beau, mais comme ceux qui sont déjà là, surtout que j'en ai utilisé un que j'avais pas utilisé avant, c'est notamment les points, ça va peut-être servir. J'essaie de voir justement en quoi ils vont servir, notamment bon, ils active uniquement quand un autre joueur tue un autre joueur, hein, c'est surtout pour ça. Après, je montre cette carte parce que je vais en faire également une, je vais essayer d'en faire également une petite série, enfin, tant que j'y repense bien sûr derrière, une petite série pour vous montrer comment je la construis, ça peut être sympa, notamment pour vous montrer notamment le fameux compteur de joueurs, pour savoir, je pense que, enfin il y a pas mal de trucs qui peuvent être sympas à montrer. Pareil, il y a pas mal de trucs qui ont changé, il n'y a plus le bouquin par exemple, alors qu'avant il fallait utiliser un bouquin pour gérer les parties, c'est ça maintenant. Alors pourquoi justement j'ai mis des... Pareil, il y a pas mal de trucs qui ont été... que je suis en train de modifier, comme par exemple le fait qu'on devait mettre du vert, pourquoi? Pour pas accéder et les blocs invisibles. C'est simplement parce que comme j'ai fait maintenant que comme l'accès se fait uniquement par bouton dans la redstone, si jamais quelqu'un s'amuse par exemple à essayer d'enlever par exemple les items, ben c'est des items de repérage, pour repérer notamment dans le dropper, ben si ça s'amuse justement à les enlever, ben ça permet justement de pouvoir savoir quel item correspond à quel VRALC. Voilà, c'est juste histoire ça. Parce que ça c'est pareil, on peut le modifier, c'est fait exprès, c'est pour modifier les probabilités, hein, dans le système, ça on s'en fout. Ça faut pas y toucher, parce que de toute façon, ça sert à rien de toucher, parce que ça se touche là, parce qu'en fait faut toucher là pour que ça touche ici. Il y a pas mal de petites choses, enfin là j'explique un peu trop, ça sert à rien.
Alors aussi, en parlant de Minecraft également, j'ai aidé aussi également une personne que vous connaissez et dont je parle aussi également dans mes vidéos Robocraft, il s'appelle Ratono. Il a demandé justement un petit coup de main, étant donné que je fais pas mal ce genre de système, je me touche pas mal à ça, pour un petit coup de main, notamment pour lui apprendre, enfin surtout je lui ai appris notamment à se servir des commandes, parce que c'est vrai qu'il ne sait pas, il ne sait pas servir seulement des commandes... Enfin, des blocs de commandes tout court, enfin la plupart des commandes, c'est vraiment il copie tout mais il comprend pas toujours, et surtout le problème c'est la tendance à vouloir que je fasse son boulot à sa place. Je fais nanana, je veux bien lui expliquer comment ça marche mais je fais pas son boulot à sa place, hein. Voilà, ça c'est clair et net. Concernant aussi les autres nouvelles, de toute façon il n'y en a pas plus, de toute façon il n'y a rien qui change, etc. Même si c'est vrai qu'on est un peu en hiver, enfin, je voulais la date, c'est quand même la période où j'ai, il n'y a pas vraiment pas trop de boulot vers chez moi, c'est vrai que c'est quand même très saisonnier là où j'habite. Donc ce qui fait que forcément c'est le moment où j'ai plus de temps libre, donc forcément je peux filmer beaucoup plus. Et puis donc forcément c'est peut-être aussi la période aussi où je peux préparer aussi pas mal plus de petites séries, comme assis à droite à gauche. Il y a des jeux pour l'instant, j'ai pas encore repéré d'autres jeux auxquels. J'ai repéré un autre jeu auquel qui pourrait être intéressant, mais je vois qu'il est déjà utilisé par d'autres youtubeurs, je suis pas amusé, parce que mon but c'est pas de faire comme tout le monde, c'est pour ça que je fais très peu de vidéos. Sur Minecraft, parce que maintenant il y a tout le monde qui en fait, ça sert à rien. Robocraft, parce qu'on est quand même assez peu comme à en faire, notamment francophone, à en faire des vidéos Robocraft. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup, beaucoup plus de Robocraft que de Minecraft. Minecraft c'est vraiment parce que c'était vraiment sympa. D'ailleurs en parlant de Minecraft, d'ailleurs je tiens à signaler que Destiny c'est terminé pour l'instant. Alors c'est mis en pause pour une durée indéterminée. Je pense que ça va être, de toute façon c'est un peu le cas. De toute façon Destiny c'est un peu la série poids, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on filme, en général, on est déjà pas mal avancé, et c'est forcément, au bout de plusieurs épisodes, forcément, la série, on est obligé d'arrêter la série, pourquoi ? Parce que le serveur s'arrête, etc. C'est vrai que je préférais un serveur de mon côté, notamment pour les maps, seulement les différentes maps grindées pour les mettre dessus, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, je vais pas le faire, parce que je préfère créer mes maps sur mes mondes solo, pour pouvoir les tester vraiment, tous les tests que je peux faire, les premiers tests que je peux faire, je vais les tester d'abord là-dessus, et après seulement les tests multi, je les fais sur un petit serveur, parce que c'est vraiment le truc à faire. Sur ce, de toute façon, j'ai pas d'autres nouvelles à vous annoncer, parce qu'il y en a bien une que je pourrais, mais bon, c'est pas encore le moment, et de toute façon, ça sera uniquement lorsque ça sera prêt, hein, donc ça sera spoiler. Allez, sur ce, moi je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao.